Aujourd'hui, 90 ans après la signature de l'armistice à Rothol le 11 novembre 1918, nous commémorons la fin de la guerre 14-18, communément appelée la Grande Guerre. Or, une guerre n'est jamais grande, car une guerre porte toujours en elle les germes de la haine et de la division. Et cette guerre-là est née aussi d'une volonté de revanche. Division entre les Français et les Allemands, division entre alliés des uns et alliés des autres, division entre les États, les pays et les populations. Rien ne fut grand, tout fut lourd, très lourd. Le bilan des morts, celui des blessés et des mutilés, celui des dévastations, des incendies et des pillages, et celui toujours actuel des bombes enfouies dans le sol qui continuent à réapparaître et frapper plus de 90 ans après. Des voix s'étaient élevées et s'élevaient internationalement pour la paix. Mais très rapidement, elles furent étouffées par le jeu des alliances, le conflit et les zones de combat s'étendirent. Ce fut la Première Guerre mondiale, une guerre totale, où les combattants des armées de terre, de l'air, de mer et ceux des troupes coloniales des grandes puissances de l'époque subirent de plein fouet la guerre du feu et des tranchées, celle que l'on croyait être la guerre des terres. De tous les noms donnés à ce conflit au début du XXe siècle, ne résonnent plus qu'aujourd'hui que des cris, des plaintes, de l'indignation et l'indicible souffrance qui furent exprimées en tout temps sous le déluge du feu et de fer, sous le fracas des canons et des mitrailleuses. Nous rendons hommage à nos poilus dont le dernier survivant s'est éteint à plus de 100 ans en mars dernier, et à tous les morts de cette terrible guerre. Nous, anciens combattants, porteurs de valeurs humanistes, tenons à commémorer le souvenir de toutes les victimes de ce conflit, lesquelles, très nombreuses, manifestaient leur désir de paix. En transmettant ce message, nous entendons être l'écho et leur relais auprès des jeunes générations que nous invitons à agir pour devenir citoyens du monde sans haine et sans guerre. Message du 11 novembre 2008 de M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Défense, aux anciens combattants. Il y a aujourd'hui 90 ans, le 11 novembre 1918, à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant un terme au combat meurtrier de la Première Guerre mondiale. Exténuée par 4 années de souffrance, de deuil et de privation, la nation tout entière laissait échapper sa voix. Le 11 novembre 1918, la foule est en liesse dans la capitale. Au front, le canon s'est tu pour laisser place à un silence assourdissant. Incrédule, les combattants peinent à réaliser qu'à cet instant précis s'achève leur long cortège de souffrance. Avec la joie des vainqueurs, contraste également la tristesse de tous ceux qui célèbrent cette victoire dans la douleur causée par la perte d'un proche. Pour les centaines de milliers de veuves et d'orphelins de cette grande guerre, le deuil succède au silence des armes. À Paris, le 11 novembre, la Chambre et le Sénat font un triomphe à Clémenceau, l'homme qui incarne ce jour-là la victoire, l'homme qui a personnifié la France mieux que quiconque aux yeux de tout un pays. Alors que le canon tonne dans le ciel de la capitale, les parlementaires, émus jusqu'aux larmes, entament en cœur la Marseillaise. Après leur avoir lu les conditions d'armistice, le titre s'adresse à eux. Du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, j'adresse le salut de la France, une et indivisible. Aux yeux de tous, la France a été durant 4 années le champ de bataille de l'Europe et du monde. Dans la boue des tranchées, sous une pluie incessante de fer et de feu, sur des lignes de front désespérément immobiles, les hommes ont connu pour la première fois la mort des masses. Des forts de Verdun au champ de bataille de la Somme, des plaines d'Artois aux montagnes du front d'Orient, sur terre, sur mer et pour la première fois dans les airs, les hommes sont venus mourir de tous les continents.
Au poids des destructions matérielles vient s'ajouter le fardeau de la paix. Le soir du 11 novembre, Clémenceau s'est adressé à ses proches. Nous avons gagné la guerre, mais maintenant il va falloir gagner la paix. Une tâche écrasante attend les nations alliées. Réunies à Paris durant 6 mois, elles tenteront de refaçonner le monde, inspirées par les grands principes du président Mitterrand. En 1918, les 4 années de guerre ont changé l'histoire du monde, laissant une Europe divisée et durablement affaiblie. Une Europe qui marque le pas et dont la prééminence sur la scène internationale est remise en cause. Il faudra l'échec de la Société des Nations, les affres de la Grande Dépression et la vie de la Seconde Guerre mondiale pour finalement établir les fondations d'un monde de paix et de droit. Ces tentatives successives, infructueuses, donneront naissance à l'idée européenne, enfantée par le drame de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, 90 ans après la fin de ces terribles événements, la France se souvient du sacrifice de ses enfants et n'oublie pas celui de tous les hommes venus d'ailleurs pour mourir sur notre sol. La France se souvient et honore avec respect et gratitude le sacrifice de ses alliés britanniques et de tous les pays de Commonwealth. La France se souvient et salue l'engagement fraternel des tirailleurs de la Force Noire venus de toute l'Afrique, à côté des combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine. La France se souvient des travailleurs venus de Chine pour contribuer à l'effort de guerre des nations alliées. La France se souvient et n'oublie pas l'engagement passionné des 2 millions de combattants venus des États-Unis d'Amérique. La France se souvient et rend hommage à tous les belligérants européens, alliés de toujours et ennemis d'hier, aujourd'hui réconciliés dans une Europe en paix autour de l'héritage commun du souvenir de la Grande Guerre. Aujourd'hui, en ce 11 novembre 2008, la communauté nationale se retrouve dans toutes les communes de France autour des monuments aux morts. Alors que s'en est allé Lazare Ponticelli, dernier représentant de la génération sacrée de poilus, nous entrons dans le temps de l'histoire, un temps où nous contemplons désormais ces événements du passé sans le regard des derniers témoins. Honorons le souvenir et la mémoire de tous les morts de la Grande Guerre, transmettons cet héritage sacré et douloureux aux jeunes générations. Je vous remercie et je remercie plus particulièrement les enfants des écoles qui ont voulu participer grâce à leur maître et avec l'autorisation des parents, participatifs de la cérémonie. Les choristes de notre chorale chanteronde, tous les militaires et tous les administrés, les représentants des différentes sections cantonales, la CPGTATN, les sections généreuses.